briser les pinacles de roches calcaires. Un rappel subtil des forces qui ont formé Madagascar depuis le temps qu'il a été arraché du socle rocheux de l'Afrique. Le fait que Madagascar soit isolé a permis aux lémuriens de prospérer et de se diversifier. Il existe un grand nombre d'espèces, y compris le maquis macaque, dont le mâle est d'un ton noir de jais et la femelle d'un ton brun rouille. Le mococo est l'espèce la plus sociable. Et le propithèque est l'espèce appelée le fantôme de la forêt. C'est un des rares lémuriens qui descend parfois des arbres. Le caméléon se régale. L'île de Madagascar, une des plus grandes merveilles de la nature.